Ok, je suis Barthélémy Kwame, directeur général de ActuRoute. ActuRoute a initié en mars 2015 le club mobilité. Le club mobilité est un cadre de rencontre et de discussion sur les questions liées à la mobilité. Quand on parle de mobilité, on parle de transport, on parle de route, on parle de voies de communication. Et aujourd'hui, nous étions à la 9e édition, le 9e numéro qui était consacré aux véhicules connectés. Et le thème a été précisé en se demandant qu'est-ce que le véhicule connecté, quelle est la réalité en Côte d'Ivoire et quelle est l'utilité aussi en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons reçu 4 speakers qui ont présenté donc le thème. Nous avons reçu notamment le président de la toute nouvelle association ITS Côte d'Ivoire. ITS signifie système de transport intelligent. Le président est aussi le DG de Kipus Afrique. Kipus Afrique, donc c'est l'entreprise qui fait les permis de conduire et autres types de transport en Côte d'Ivoire. On a aussi reçu Mapping Control qui a des solutions de géolocalisation et de sécurité liées aux véhicules. Nous avons également eu quelqu'un qui est venu de ActuRoute, un des responsables du service infotrafic de ActuRoute, pour nous expliquer un peu comment se fait la production de l'infotrafic à ActuRoute. Et nous avons reçu également le CEO de Tassiguet, le PDG de Tassiguet, le jeune Ouattara Parfait, qui a également exposé sur cette nouvelle façon de commander le taxi, de rouler en taxi. Donc ce qu'on appelle les VTC, mais lui, sa particularité, c'est que ce sont des... il agit à la fois sur les taxis classiques et sur des taxis avec flotte personnelle, donc des taxis sur les VTC classiques. Donc je pense que ça a été une très très belle rencontre. Comme toujours, le club mobilité réunit beaucoup de monde avec tous les acteurs, non seulement gouvernementaux, mais des acteurs privés, et on peut vraiment s'en réjouir. Quand le prochain rendez-vous ? Le prochain rendez-vous aura lieu en mars, et nous avons promis de faire venir le tout nouveau ministre des Transports. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un nouveau ministre des Transports, donc on va tout faire pour que le club mobilité ait la primeur un peu de ce qu'il va faire comme action, mais en se basant sur ce qui a déjà été fait. Donc le thème sera donc acquis dans le domaine des transports, mais aussi perspectives dans le domaine des transports. Voilà. Demander aux uns ou aux autres d'être connectés au club mobilité, d'être connectés à ActuRoute, parce que ActuRoute essaie de fédérer un peu tous les acteurs de la mobilité. Mais aujourd'hui, avec l'association ITS Côte d'Ivoire aussi, être connecté, j'allais dire, au système de transport intelligent en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire pour le confort de leur mobilité. Mais aussi, on peut dire que l'État a son rôle à jouer. Et en tout cas, on se réjouit qu'il y ait régulièrement les ministères qui arrivent. Là, vous avez vu qu'il y avait le ministère de l'économie numérique et de la communication. On avait également le ministère des infrastructures économiques. En tout cas, tout le monde était là, le ministère de l'Environnement. Et nous, on ne peut que se réjouir de tout cela. Voilà. Merci.